Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous nous suivez en direct. C'est lundi, nous sommes le 4 décembre 2023. En direct et en exclusivité, Monsieur Guy Kibira qui est avec nous. Monsieur Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Justin Kabumba. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Analyste indépendant, un fils du Nord qui vous, Monsieur Guy, ça marche, c'est lundi, calme à Goma. Bon, et c'est lundi. Ça marche de manière générale, mais il faut avouer que nous avons des échos comme quoi il y aurait crépitement des balles dans certaines zones de la province, y compris des zones où se désengagent les contingents East Africa Community. Et donc, c'est ça la nouvelle de ce matin. Et donc, nous osons croire que pour ce qui concerne la partie gouvernementale, que les autorités compétentes prennent les dispositions idoines pour que cette psychose cesse de gagner du terrain. Oui, vous venez de le dire, c'est sûr, on va en parler, c'est notre sujet principal par rapport au début déjà du retrait de la force régionale de l'EAC. Mais on va parler un peu de cette actualité, c'est sûr, on nous a appris qu'il y a eu des affrontements qui ont repris, tant en tout cas c'est lundi, sur des lignes de front dans les territoires de Massissi-Nord qui vont entre les groupes armés locaux, qu'on appelle aujourd'hui des Oisalendou, de jeunes résistants. Soutenu par les forces armées de la RDC qui se battent en tout cas contre les rebelles du M23 aussi, d'une part aussi soutenu par l'armée rwandaise. D'après les sources locales, des attaques ont été lancées de nouveau très tôt en tout cas c'est lundi dans la région de Kiloliro, Karenga, Kibati et Runeti, approchant la cité de Sake. Il faut en tout cas préciser que ces nouveaux affrontements ont d'ailleurs provoqué un déplacement massif de la population. Monsieur Guy, comment comprendre cette intensification des affrontements à quelques jours de la tenue des élections? Bon, intensification des activités d'extrême violence, je parle de la résurgence des mouvements armées, à quelques jours des élections, ça peut être analysé sous plusieurs angles. Mais avant tout, je voudrais dire que c'est inhumain ce qui continue à se perpétrer sur des populations, comme si envoyer en errance des milliers et des milliers de personnes ne suffisait pas. Aujourd'hui, aller jusqu'à provoquer encore des affrontements. Je disais que ça peut être analysé sous plusieurs angles. Ouais. D'abord, est-ce pour empêcher la tenue des élections à Goma? C'est un aspect. Est-ce pour montrer que ce sont les contingents East Africa qui maintenaient la sécurité chez nous? Ce sont là les deux aspects de la situation. Mais j'estime que, quel que soit l'aspect qu'on peut prendre, nous sommes un pays souverain et il revient aux Congolais d'assurer leur propre sécurité. Dans un cas comme dans un autre, on devrait faire en sorte que la situation sécuritaire reste une affaire des Congolais. Et quand je parle des Congolais, je parle des institutions avec les prérogatives qui sont reconnues aux uns et aux autres. La violence étant un domaine réservé à l'État, à la puissance publique, cela étant, nous devons situer cette prérogative de sécuriser les personnes et de leurs biens à la police congolaise et sécuriser l'étanchéité du territoire, les frontières du territoire, par nos forces loyalistes, je parle des FARDC. C'est ça mon point de vue et qui mérite d'être suivi par tous les Congolais et pris du sens du patriotisme, du nationalisme, attaché à la patrie.
Oui, ceci le président Tshisekedi a rassuré lors de sa récente déclaration. Il a rassuré que Goma ne tombera pas. Mais est-ce que pensez-vous que cette intensification des affrontements par les M23 serait parmi les plans du Rwanda de vouloir faire échec à la tenue des élections à Goma? Est-ce que pensez-vous que c'est le Rwanda qui préparerait cela? Bon, déjà, si nous rentrons dans l'histoire des élections passées, nous savons que toujours la veille des élections, il y a toujours eu des agitations avec des mouvements armés, surtout d'obédience rwandaise. Et vous connaissez comment est-ce que, par les élections passées, je parle des élections de 2011, il y a des bureaux de vote qui ont été sécurisés par les CNDP. Vous savez qu'il y a des centres qui ont subi l'influence des groupes armés. Et que donc, pour nous, ce n'est pas surprenant que pareille situation arrive, mais ça ne devrait pas pour autant nous décourager. Il ne faut pas que ça nous perturbe, il faut plutôt que ça attire l'attention des dirigeants, des institutions, surtout je parle des services spécialisés tels que les services de renseignement et l'armée, comme la police, pour s'assurer que, justement, Goma ne tombera pas, justement, les élections ne seront pas perturbées. On ne peut pas nous parler des élections, bien que nous avons compris qu'il n'y aura pas d'élection à Rutshuru et à Masisi, et que même la ville de Goma soit aussi empêchée de faire le vote. Donc, c'est ça, notre point de vue. Il faut que les services spécialisés, les services techniques, puissent prendre chacun ses dispositions pour que la population puisse rester dans la quiétude. Mais nous déplorons tout autant les gens qui sont encore jetés en errance et dans des entités, dans des villages que tu venais de citer, à cause de cette reprise des hostilités depuis cette nuit jusqu'à ce matin. D'accord. On va parler de ce sujet tel que nous l'avions annoncé, dédié en tout cas hier dimanche, du retrait de la force régionale de l'EAC, déjà plus de 200 soldats kenyans, en tout cas, ont quitté l'aéroport de Goma hier dimanche en direction de Nairobi. Mais il faut préciser en tout cas que cette démarche est faite suite à la décision prise lors du sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et à Arusha en Tanzanie la fois dernière, c'était le 24 novembre dernier, où la République démocratique du Congo a opté pour ne pas prolonger le mandat de cette force. C'est comme aujourd'hui on dirait, les peuples gagnent toujours. On a vu plusieurs manifestations à Goma, à Bukavu, pour exiger le départ de cette force. Mais c'est Guy, aujourd'hui, on peut dire que le peuple a gagné? En tout cas, je pense que plus personne ne peut se dire ignoré que le peuple, et particulièrement la jeunesse du Nord-Kivu, s'est montrée résiliente. Et qui de plus en plus essaie de construire la conscience collective, se rappelant qu'il n'y a pas de citoyens sans cité et que tout le monde doit être attaché à sa cité, la protéger, la défendre et même aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est pourquoi vous voyez certains jeunes aller se faire même enrôler, n'est-ce pas? Et ils ont suivi les mots d'ordre du gouvernement pour suivre la formation militaire préalable à la poursuite de la formation universitaire. Vous connaissez les cas des jeunes délistants qui sont partis et d'autres vont suivre. Vous voyez la position de la population et des jeunes au Nord Kivu, ici au chef-lieu de la province, à Goma, où ils ont pris le courage d'aller jusqu'au siège des bureaux et des QG de East Africa Community pour exprimer clairement leurs attentes. C'est-à-dire que la population s'est appropriée du processus de paix et a constaté, le processus d'Arusha, et a constaté que justement ce contingent n'est pas en train de s'acquitter de la mission pour laquelle il a été envoyé ici. Et que puisque nous sommes épris de paix, de la non-violence,
La seule chose à faire, c'était de demander qu'ils rentrent, puisque de toutes les façons, ce sont des pays amis, puisque nous appartenons tous dans cette communauté East Africa Community. Au lieu de nous causer du tort, on préfère les voir rentrer et que nous, on continue notre devoir de protéger notre patrie. Puisque c'est à nous et à nous seuls que revient cette responsabilité. Il en est de même avec les autres pays membres de la région qui ont l'obligation de défendre leur patrie. Donc voilà, on ne peut pas laisser tout un avenir d'un peuple dans les mains des amis, des voisins. Donc tout en saluant les quelques efforts qu'ils ont faits, mais nous encourageons vivement leur départ de manière pacifique, puisque nous avions une crainte. Une crainte qui est justifiée dans l'histoire récente des deux armées étrangères qui se sont battues sur le sol congolais et qui ont occasionné, qui ont perpétré des massacres des Congolais. Je parle de Kisangani où les Ougandais, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise ont fait un massacre à Kisangani. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore oublié, nous pleurons encore nos morts et nous craignons que lors du refus du renouvellement du mandat de East Africa Community en RDC, qu'il y ait de la résistance. Cette résistance conduirait à quoi? À l'autodéfense. Et cette autodéfense conduirait à quoi? Au crépitement supplémentaire des coups de balle et qu'il y ait des morts. Et ces morts seraient qui si ce ne sont que des Congolais? Puisque, attention, si on fait des affrontements, ça ne sera plus à la frontière. C'est à l'intérieur du pays où se trouvent les Congolais, dans leurs villages respectifs, dans leur territoire, dans leur ville. Et donc, nous pensons que le départ de ces contingents qui commencent est une marque de compréhension de la position souveraine du gouvernement congolais, bien sûr représenté par des compatriotes tels que Antipas Mbusa Nyamwisi et Jean-Pierre Bemba, qui ont représenté les chefs de l'État à ces assises d'Arusha. Nous pensons qu'il faille qu'il rentre, autant que d'autres armées étrangères qui sont encore sur le territoire congolais, il n'y a pas que les Kenyans. Nous pensons qu'ils sont venus dans un mandat de la communauté East Africa Community, il faut qu'en plus de Kenyans, que les Soudanais, que les Ougandais, et vous savez que pendant cette période, il y aurait eu des placements de bornes entre notre pays et l'Ouganda. Ce sont des situations à corriger très rapidement, mais alors il faut quand même qu'ils rentrent chez eux et que notre gouvernement et nos services spécialisés s'organisent davantage pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Est-ce que ce retrait est commenté dans tous les sens par certains Congolais? Il y a certains qui pensent, qui ont salué ce retrait qu'ils qualifient d'un offre de soulagement, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu plusieurs manifestations pour réclamer leur départ. Mais il y a d'autres qui craignent, certains Congolais craignent que ce départ occasionne la chute de Goma, parce qu'il faut rappeler dans les bilans d'ailleurs donnés par l'EAC, ne cesse de dire que c'est grâce à cette force que Goma ou que les M23 n'a pas pu capturer la ville. C'est quoi votre aperçu dans la scène? Bon, je pense que Goma, Goma fait partie de la province Nord Kivu et la province fait partie de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas laisser l'avenir de notre pays entre les mains des étrangers. C'est ce qu'il y a à noter. Et Goma ne peut pas être soustrait de la République démocratique du Congo. Goma ne tombe pas entre les mains des ennemis, pas parce que protégé par le contingent East Africa Community, non. C'est parce qu'il y a de la résistance des Congolais. Des Congolais qui sont restés attachés à la patrie et qui sont prêts, comme je le disais, à servir, défendre et même faire des sacrifices suprêmes. C'est à ce niveau où vous avez parlé des groupes d'autodéfense locale et aujourd'hui il y a la dynamique Wazalendo. Wazalendo est un concept
qui surgit, qui vient, mais qui a un contenu. Ce sont les différents groupes armés qui ont depuis longtemps résisté contre l'envahissement de certains voisins et qui aujourd'hui se sont constitués en Ouazalendo. Je pense que, encore une fois, il nous revient comme Congolais de protéger notre territoire et quel que soit le prix à payer, nous devons nous acquitter de cette obligation. Ne pas le faire et croire que ce sont des étrangers, ça serait hypothéquer cette patrie. Et nous serons en train d'aller à l'encontre de la volonté de nos martyrs, tels que le martyr de l'indépendance, Emery Patrice Lumumba, qui nous a légué ce pays dans son entièreté. Et que nous, nous avons l'obligation à notre tour, de les léguer à des générations à venir dans son entièreté. Quelle excuse l'on donnerait à ces martyrs si nous léguons ces pays en partie à des générations à venir? On donnerait quelle raison? Donc nous pensons que si les autres ont versé leur sang, ont perdu leur vie pour défendre la patrie, il nous revient, et c'est notre tour, de faire autant pour que des jeunes générations puissent hériter de ce pays dans son entièreté frontalière, sans avoir cédé une seule fraction de millimètre du territoire aux étrangers. D'accord. C'est ça notre point de vue. Mais si ceci, les Congolais se réjouissent de ce départ de l'EAC, mais sans oublier que d'ici quelques jours, ça sera aussi l'arrivée des troupes de la SADC, également une autre force étrangère. Bon, justement, ce message reste valable. Si aujourd'hui East Africa Community part, c'est parce que, bien qu'ayant des élus, les élus qui ne remplacent pas les souverains primaires, eh bien, les souverains primaires s'est intéressé à la chose au point d'évaluer la présence des contingents East Africa Community et juger ça inefficace puisqu'ils ne se sont pas acquittés de la mission pour laquelle ils sont venus. Cela étant, ceux-là qui vont venir, quand vous parlez de la SADC, eh bien, ils doivent déjà en amont tirer la leçon. C'est-à-dire que la population du Nord Kivu n'est pas complaisante par rapport à ses partenaires. Un partenaire qui vient avec une mission bien précise, s'il ne s'acquitte pas de cette dernière, eh bien, c'est un partenaire à remercier. Dans la non-violence, il doit partir. Et c'est seulement s'il y a de la résistance que nous serons encore dans l'obligation de passer à une autre vitesse pour le pousser à partir. Voilà ce qu'il en sera avec d'autres partenaires qui viendraient et qui viendront après si jamais ils ne s'acquittaient pas de leurs devoirs. Merci Guy, nous restons jusqu'à avec 2 minutes. On va commenter un peu l'actualité aussi liée à la campagne, au déroulement de la campagne, parce que je l'ai annoncé. D'ici quelques jours, ça sera la tenue des élections générales. Monsieur Guy, vous avez déjà suivi les discours des différents candidats présidents. Il y a Moïse Katumbi qui était ici. On a suivi également Barthe Fayoulou qui était là. Le prix Nobel Denis Mukwege qui était également à Goma. Il y a le président Tshisekedi annoncé aussi peut-être au courant de la semaine. Quand vous suivez le discours même, si on a suivi le président Tshisekedi aussi, ses promesses et ses réalisations, qui mérite mieux selon vous? Nous sommes dans un processus démocratique. Où vous savez que les taux de participation d'abord des Congolais est un facteur important pour obtenir toute la légitimité qu'il faut pour diriger les Congolais. Il n'y a pas que ça. Le niveau de l'intégration et de l'implication de tous les acteurs est très important. C'est là que je salue aussi à la fois la CENI et la Cour qui a confirmer la liste transmise par la CENI pour ceux qui ont postulé comme candidat président de la République. Pourquoi je le dis? Parce que la beauté de la démocratie, c'est aussi cette participation active de tous les acteurs, quelle que soit la divergence d'idées. Et à ce stade, nous n'avons pas
le droit de faire de ce rendez-vous un rendez-vous manqué. Il faut laisser les Congolais prendre le temps de suivre tout le monde et même d'opérer les choix de manière responsable. Puisque je le dis toujours, une décision d'un seul jour va nous poursuivre pendant 5 ans et peut-être même plus, puisque le mandat est de 5 ans. On comprend bien, mais vous aviez suivi au moins ce discours. C'est la question qui mérite mieux, selon vous. Ce processus, comme je l'ai dit, il est démocratique. Vous avez suivi le président Tshisekedi, ses promesses, ses réalisations pendant les 5 ans également. On a suivi Katoum. On a l'impression que tous les candidats viennent avec le discours lié, surtout à la question sécuritaire. Ceci, ça reste très préoccupant. Mais en suivant tous ces discours, selon vous, est-ce que les Congolais peuvent faire encore confiance au président Tshisekedi? Il y a plusieurs offres qui s'offrent au peuple congolais. Ouais. Mais il se fait que de toutes ces offres, il y a l'offre du président en exercice qui est aussi en compétition. Parce qu'il nous a donné et dont on a déjà... l'on connaît un peu les réalisations. Bon, est-il que la nature de l'homme s'est avérée la recherche de l'inconnu? Mais je pense qu'il faille s'appuyer sur les concrets que l'on connaît. C'est pour ainsi dire que tous ces candidats, nous les connaissons. Nous gardons cette liberté de choisir les mieux offrants. Et les votes étant secrets, je demande seulement aux populations de faire un vote utile. En sachant que tous ces candidats sont des Congolais. Ça, vous comprenez, M. Guy. Est-ce que faut-il faire encore confiance au président Tshisekedi dans moins de 10 secondes? Mais le président Tshisekedi, il est là. Il a fait ses preuves dans différents domaines et nous connaissons les difficultés qu'il a rencontrées sur son chemin. En effet, ayant perdu déjà 2 ans pour un mandat de 5 ans, il y a de quoi excuser ses faiblesses. Il faut croire encore en lui. Il faut croire en lui et lui donner une seconde chance. Surtout que la Constitution parle... À voter pour le numéro 20, c'est ça. Quand vous dites qu'il faut encore lui donner cette chance, c'est ça. Mais pourquoi pas? Du moment qu'on sait qu'il n'a pas joué pleinement de ses premiers 5 ans et que la Constitution lui reconnaît la possibilité de renouveler son mandat une seule fois. Donc, ce candidat, autant que d'autres ont des ambitions, autant lui, même s'il est sortant, il a le même droit. Et nous pensons, pour quelqu'un qui a commencé certains chantiers, il faut lui donner l'occasion de finir la plupart des chantiers qu'il a commencé. Puisque le mal avec les Congolais, c'est qu'ils veulent toujours des recommencements. Et les recommencements sont tels que tout l'investissement fait par le prédécesseur est mis de côté, on commence par à zéro. Et ça nous fait des manques à gagner en termes de temps et en termes de ressources. Parce qu'on a bien qu'il y a d'ici le plan sécurité qui va prendre des socoïs là qu'on a pour mettre au missile et acheter d'autres avions afin de faire face à cette guerre. Merci beaucoup Guy, c'est par cette mobilisation pour la réélection du président Tshisekedi que nous arrivons à la fin de cet entretien. Mais dans 30 secondes, je voudrais que vous puissiez regarder la caméra et lancer un message aux forces armées de la RDC, y compris également les Wazalendo qui soutiennent cette force. Toutes ces forces-là, FRDC, Wazalendo, qui se battent contre l'agression rwandaise. Et vous, M. Guy Kibiya. Eh bien, je me tourne vers nos forces loyalistes. Je parle des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous apprenons le départ des contingents East Africa Community du territoire congolais vers leurs pays respectifs. Nous saluons ce départ. C'est la volonté de la population qui a jugé inefficace leur présence au regard des objectifs assignés. Mais alors, ceci étant, notre responsabilité en tant que Congolais doit être prise au sérieux et nous devons redoubler nos efforts. Je demande justement à nos forces loyalistes de multiplier des efforts, de ne ménager aucun effort pour assurer
la protection des populations, en commençant par protéger nos frontières. Et que la police protège la population et ses biens pour qu'ils circulent librement sur le territoire national. Et à toute la population, je demande de soutenir nos forces loyalistes et même les Ouazalendo doivent passer, faire des formations pour aller renouveler, n'est-ce pas, ou renforcer nos effectifs dans nos forces loyalistes et avoir un niveau qu'il faut pour assurer la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que les territoires nationaux. Merci beaucoup, M. Guy, d'avoir été là ce matin en direct ici au Congo Live. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, faites de cet entretien. Nous vous disons merci et bye bye.